m'a piqué ma place, alors. Oui, Martine. Oui, je prends. Allô, Jacqueline. Enfin, où êtes-vous, ma petite Jacqueline? Ça fait une heure qu'on vous attend. Enfin, Jacqueline, vous plaisantez ou quoi? Écoutez, ben oui, bien sûr. Mais bien sûr que votre rôle ici est important. Pardon? Non, enfin, Jacqueline, c'est une plaisanterie. Jacqueline, c'est une plaisanterie, un contrat. Avec qui? Avec du rançon en plus. Ah, mais non, c'est une plaisanterie, Jacqueline. Oui. Mais non, mais je n'ai pas dit ça. Mais bien sûr, il faut que vous pensiez à votre carrière. Oui, mais ça tombe mal, vous voulez quand même. Pardon? Écoutez, Jacqueline, arrêtez de parler, je comprends rien. Oui? Pardon? Oui, calmez-vous, Jacqueline, calmez-vous, oui. Oui, d'accord. Mais non, je ne vous en veux pas, ne pleurez pas, Jacqueline, ça va, oui. Oui, d'accord, ah oui. Comment je vais faire? Je vais changer mon fusil d'épaule, voilà tout. Ah. Oui, mais non, je ne vous en veux pas. Allez, l'important, c'est que vous puissiez penser à votre carrière, voilà. Oui, c'est ça, pardon? Mais non, Jacqueline, je ne viendrai pas la première samedi, hein. Je viendrai à la seconde, si toutefois il y a une seconde. La salope, j'ai toujours dit Jacqueline, la salope. Eh bien, voici qu'elle n'est pas dans vos habitudes, Philippe. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, madame, je croyais être seule. Des ennuis? Oui, madame, Jacqueline vient de nous lâcher. Oh, la salope! Mon caligarde! Et mon autre affaire? Ne vous inquiétez pas, madame, je vais lui trouver une remplaçante. Je vous fais confiance. Vous partez? Il le faut bien. Je suis véritablement navré de ce qui vous arrive, madame. Le fantôme du passé que l'on croyait enfoui au fond du tiroir. Oui. Et en plus, vous, dans le tiroir, vous avez Polichinelle. C'est donc jamais qu'on épouse. J'ai donné 30 ans de ma vie à cet homme. Et en remerciement, il lève sa fortune au seul fils qu'il n'ait jamais eu. Si encore c'était le vôtre, madame. Je ne serais pas obligée de partir comme une voleuse. C'est le problème des premiers lits. C'est surtout celui du testament. Richard aurait dû faire le nécessaire depuis fort longtemps. Selon son notaire, il ne voulait pas vous coucher sur son testament parce qu'il disait que ça vous porterait malheur. Il n'a pas eu autant de scrupules à vous coucher sur son lit. Ça ne m'a pas porté bonheur pour autant. Écoutez, madame, vous avez quand même épousé le roi de l'industrie du jouet. Les entreprises Kingston ont assuré votre fortune. Oh, mais l'argent n'est pas tout. Il aide quand même à surmonter la pauvreté. Oui, mais j'aurais quand même mieux fait d'épouser William. William? William Dobert, le roi du sextoys. Là, au moins, j'aurais été certaine de prendre mon pied plus souvent. Oh, madame de Gambetta! Oh, ça va, il est de prendre mon pied. Madame de Gambetta! Madame de Gambetta! Oui. Vous savez tout comme moi que c'est Richard qui a acheté la particule en 1906. Encore une de ces lubies royalistes! Cela n'empêchait pas feu votre époux d'être un homme de progrès et d'égalité! Oui, pour le progrès, je vous l'accorde. Mais quant à sa notion d'égalité, laissez-moi vous dire qu'elle était somme toute assez relative. L'égalité, disait-il, c'est quand tous les ouvriers auront des domestiques. Vivre à ses côtés était une charge, je vous prie de le croire. Une charge bien lourde, madame, j'en sais quelque chose, ce qui est normal avec les hommes de poids. Moi, il est certain qu'il savait s'y prendre pour vous briser, hein. Même après sa mort, il me fait toucher le fond. Comme dit le proverbe, madame, qu'importe ta chute si, lors de celle-ci, tu trouves avec ta main un diamant. Pour amortir le choc, c'est une rivière qu'il va me falloir. Vous inquiétez pas, madame, d'ici peu, votre beau-fils... Ah non! Vous ne pouvez pas appeler mon fils un garçon que je n'ai vu que 3 fois dans ma vie. Vous avez raison. D'ici peu, disais-je, Henri de Gambetta aura signé la fusion de King's Toys et de Market Plastic, vous aura nommé à la tête du conseil d'administration bien malgré lui, et n'aura qu'une ambition convolée en juste noce avec celle qu'il prendra pour la femme de sa vie. Et comment comptez-vous vous y prendre? Et en organisant un complot, madame. Un incroyable complot dont Henri sera la triste victime. Vous êtes un monstre génial. Madame, je n'ai pas votre beauté pour séduire. Il a bien fallu que je la remplace par l'intelligence. C'est très rare. Mais vous en êtes l'exception. J'ai un grand projet pour vous. Je suis à vos ordres. Ah, oh, Philippe. Madame. Tâchez de me signer ce petit con rapidement. Hein. Je vous le promets, madame, à en faire pâlir le comte Dracula. Je vous raconte. Eh bien... Je pense que vous êtes un peu avancé avec Dracula. Oui, oui, elle a les dents tellement longues. Tenez. Oui. Voici ce que vous m'avez demandé. Ah, merci. Alors, voyons. Comment, c'est tout? Comment ça, c'est tout? Enfin, mademoiselle Aguilu, vous auriez pu me trouver une photo plus récente d'Henri. Eh ben non, c'est tout ce que j'ai pu trouver.
Une photo de classe de terminale, enfin, monsieur Nagyol. Eh, c'est pas de ma faute si monsieur De Gambetta a arrêté sa scolarité très tôt, hein. Et puis, il n'y a rien dans ce dossier. Tout ceci, j'aurais pu le trouver sur Internet ou sur Facebook. Non, vous m'aurez vraiment que le minimum syndical. Monsieur Brooke, je suis responsable des ateliers et je ne suis pas payée pour ce genre de travail. Quant à votre allusion sur le syndicat, vous savez très bien combien je suis fière d'avoir été élue responsable de la force ouvrière indépendante. La FOI, ouais. Oh, est devenue une véritable institution ici. Il est vrai qu'en ces périodes de crise, il est important d'avoir la foi, la FOI. C'est ça, moquez-vous. Aujourd'hui, vous nous demandez d'être solidaires parce que vous avez peur de sauter. Mais il y a 3 mois, quand il s'agissait de sauver la tête du professeur Vermeil, vous n'avez même pas levé le petit doigt. Heureusement que les camarades, ouais, ont pu faire pression. Sinon, Vermeil, à son âge, il n'avait plus qu'à se dégoter une carte du même nom. Bonsoir, pardon, ne m'envoyez pas de vieux dossier à la figure. L'affaire est plus complexe et vous le savez pertinemment. Mais bien sûr que je le sais. C'est pour ça que j'ai accepté de faire partie de votre complot, là. Attendez. Ce n'est pas mon complot, hein. Oh, tout comme, vous en êtes l'instigateur. Aujourd'hui, on est prêt à vous suivre parce qu'on sait que c'est pour la bonne cause. Henri de Gambetta n'y connaît rien aux affaires. Dans 3 mois, il aura dilapidé le capital de Kingston et nous, on n'aura plus qu'à mettre la clé sous la porte. Ah, ah, donc c'est donc un complot nécessaire. Mais il n'y a pas de complot nécessaire. Arrêtez de vous cacher derrière les mots, il n'y a pas de complot nécessaire. Il n'y a qu'à voir la lutte entre Staline et Trotsky. C'est vraiment baigné dans le rouge, vous, hein, ami. Ça, c'est complètement historique, vous pouvez pas me dire le contraire. Staline, c'est l'homme des complots. Ah non, mais je ne m'y aventurerai pas. Et je suis d'accord avec vous sur un point. On progresse mieux et plus vite si l'on sait séduire que si l'on sait présenter des concepts nouveaux, ça. Moi, ouais, c'est pour ça que vous avez demandé à Jacqueline Laroche de séduire Henri de Gambetta. Oui, mais elle vient de nous lâcher. Comment ça, nous lâcher? Oui, elle vient de signer un contrat avec Durançon. Durançon? Bah, elle veut mettre sa carrière en péril ou quoi? Je ne me fais pas de mauvais sang pour elle, je suis sûr qu'elle retombera sur ses pattes. Évidemment, c'est son principal capital. Vous trouvez quand même que Jacqueline est une jeune femme charmante. Ah, charmante, oui, mais avec peu d'esprit, alors ça s'équilibre. Vous pensez qu'une femme ne peut pas être belle et intelligente? Ah, mais oui, belle et intelligente, dans le cas de Jacqueline. C'est quand elle était avec une copine. Non, on connaît tous la vie dissolue de Jacqueline Laroche, et on sait très bien que si elle a réussi, c'est parce qu'elle a beaucoup couché. Oui, c'est vrai, je ne dirais pas le contraire même plus. Elle a quand même un physique d'avantage, mais bon, elle est un peu petite, c'est vrai. La première fois que nous nous vîmes, j'ai cru qu'elle était loin. Pour ça, on peut lui souhaiter qu'un homme lui passe la bague au doigt, hein. Oui, voilà, ça lui donnera un peu de valeur. Bon. Surtout si c'est un diamant. Bon, alors, oui. Qui est la remplaçante? Bah, en fait, j'allais penser à... Ah? Mon Dieu, quelle idée. Et en fait, j'avais pensé à... Vous êtes ça, vous avez la gueule. Voilà, j'avais pensé à vous. C'est une plaisanterie. Mais non, non, vous êtes féminine, c'est... Vous osez me demander une chose pareille? Après Jacqueline, c'est plutôt flatteur, non? Ah, mais il n'y a rien de flatteur à jouer le rôle d'une prostituée! Pire, la dauphine de la pute! Oh. Et dis, j'espère que vous allez commander le père Foucault et la mère Fontenay! Non, non, il va plus voir. Ouais, pour la remise des écharpes, sinon faudra vous passer le service. Bon, c'est bon, mademoiselle Ayonne, n'en parlons plus. Ah, mais si! Au contraire! Parlons-en! J'attends vos excuses. Des excuses? Pour avoir cru que vous étiez suffisamment belle et intelligente pour tenir le rôle? Mais non, mais pour avoir des propos sexistes et capitalistes exploitant la pauvre fille du peuple que je suis! Oh, je suis déçue, monsieur Brooke. Meurtrie même, que vous n'ayez pu ne penser ne fût-ce qu'un instant à me comparer à Jacqueline Laroche. Non mais une fille qui donne sa moralité, c'est une fille perdue! Et je ne vous suivrai pas sur ce chemin du vice que seuls les bourgeois, libéraux, dirigistes, physiocrates veulent nous imposer. Ouais! Ce serait un manquement à l'idéal marxiste qui a toujours bercé mon enfance.
petits orphelins du Kremlin, le règlement? Ne soyez pas sarcastique. Sans ordre, je remplirai. Ah! Oui, Martine? Oui? Ah, bien, faites entrer. C'est Agathe Dumillet. Agathe Dumillet, vous êtes sûre? Non, mais... Parce que Agathe Dumillet, merci, elle n'est pas encore arrivée. Alors, je vérifie. Martine, ah, ça va, c'est Brooke. Oui, ma chère Sarah. Madame Strophantu, comment allez-vous? Je viens de croiser Nadine, elle m'a fait part de la catastrophe. La catastrophe? Jacqueline Laroche nous lâche. Ah oui, ne vous inquiétez pas, Madame Strophantu. Ne vous inquiétez pas, non, mais vous vous moquez du monde. Notre plan reposait sur Jacqueline. Marquette Plastique a besoin de ce contrat avec vous. Et si je ferme, vous fermez. Mais qu'est-ce qui lui a pris, enfin? Écoutez, Madame Strophantu, un contrat de dernière minute. Ah oui, avec qui a-t-elle encore couché? Durançon. Durançon, elle est perdue. Ah, vous voyez. Quelle idée, mais quelle idée, le plus mauvais auteur de ce siècle. Et du 20e aussi. N'exagérons pas. On voit que vous avez eu la chance de ne pas voir sa dernière pièce. La chaussure maudite. 2 heures de calvaire. J'ai remercié le ciel que ce soit la chaussure maudite. Parce que si on avait eu la paix. Alors, qui est la remplaçante? Eh bien, en fait, notre moitié, j'avais pensé à... Ah? J'avais pensé à... Monsieur Brooke-Villain Garnement, je ne sais laquelle des deux je dois être la plus flattée, la plus scandalisée de la mentalité. Mais je suis veuve et j'ai passé l'âge. C'est un terme absurde, trop vendu, je n'avais pas tout à fait pensé à vous. Ah, mais j'aurais pu. Ah, bien non, il vous faut une personne beaucoup plus jeune. Voilà. Oui. Monsieur, je suis scandalisée. Comment pouvez-vous prendre une chose pareille? Il faudrait me passer sur le corps d'avant plutôt que d'accepter ce que vous me proposez. Je préfère contourner l'obstacle, mais enfin la... Ma fille ne se livrera pas à cette mascarade. Votre fille? Oui, j'ai d'autres projets pour elle. Je compte bien annoncer ses fiançailles avec Samuel Hoffman. Hoffman? Hoffman, les entreprises sous pétasse? Oui, exactement. Ils ont décidé de lancer un nouveau chewing-gum à base de matière plastique. Cette union tombe plein fouet, mais elle ne suffirait pas, ils vont gérer d'être. Alors vous pensez bien, je ne peux pas mettre tous mes œufs dans le panier. Et puis ce rôle conviendrait mieux à une femme qui a de l'expérience, un savoir-faire et qui a déjà vécu. Ouais, une prostituée quoi. Non, une actrice. Ce qui, dans le cas de Jacqueline, nous donnait le 2 en 1. Alors, qui s'y colle? C'est moi. Vous? Oui. Zelaya a accepté de tenir le rôle. Oui, il est certain que vous êtes charmante. Oui, bien. Ouais, puis j'ai très peu servi. Je n'en doute pas, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Non, mais vous inquiétez pas, madame. J'encaisse facilement. Oui, ça c'est vrai, c'est encaissé gros. J'espère que le chèque sera à la hauteur de votre prestation. Non, madame. Mais cette entreprise est toute ma vie. Et je ne la laisserai pas saboter par un petit bourgeois capitaliste qui ne pensera qu'à dilapider en voiture, à la mode ou en fringue. Un empire, madame, dont nous sommes les camarades et moi, ouais, les véritables bâtisseurs, ouais. Quelque chose me dit que vous êtes un tantinet syndicaliste, vous. Madame, le syndicat, c'est moi. C'est l'Arlette Laguiole de Kingston. Voilà. Je puis vous assurer, Mme Strophantu, qu'avec mademoiselle, c'est marche ou grève. Là, il n'y a pas de problème. Oui? Oui. Ah ben oui, tout à l'heure, vous m'avez dit Dumillé. Ben non, et hey, vous dites Martine, il faudrait voir un petit peu votre agenda, hein. Eh bien, alors, faites entrer, mademoiselle. C'est Dumillé. Voilà. La dernière pièce du puzzle. Ah. Monsieur Brooke. Oui? Madame Strophantu. Mademoiselle. On vient de m'apprendre qu'Henri de Gambetta est à Paris. Déjà? Il ne devait arriver que dans 3 heures. Je sais, oui. Alors, avez-vous fait le nécessaire? Ah, oui. J'ai dépêché un chauffeur à son hôtel, mais comme nous ne savons pas à quoi ressemble Henri de Gambetta, j'ai fait faire une pancarte à son nom. Oui, c'est bien. Il y a combien de temps? En l'instant, il est arrivé hier, oui, par le vol de 22h40. Oui, ce qui implique qu'il sera là d'une minute à l'autre. Ah ben, si l'on tient compte du nombre de feux, de ronds-points et de la circulation à 7h de la journée, oui, il faut compter 17 minutes et 43 secondes pour arriver jusqu'ici. Et 43 secondes. C'est une moyenne.
Siegfried, notre chef comptable a toujours eu un sens inné des chiffres. Et de la précision. Oui, c'est vrai. En parlant de précision, mademoiselle Dumigné, avez-vous appris le texte que l'on vous a donné? Oui, monsieur. On m'a d'ailleurs bien fait comprendre qu'il fallait que j'apprenne les 97 mots si je voulais garder ma place. Mais comme je l'ai déjà signifié à mademoiselle Aviol, qu'on ne m'en demande pas plus, non? Plus? Oui. On m'a laissé sous-entendre que M. de Gambetta avait un point commun avec feu son père et qu'il sautait sur tout ce qui bouge. J'avoue être zen, j'aimerais tout de même être à l'abri de mouvements brusques. Mes ennemis, on comprend rien quand vous parlez. À chaque fois, il faudrait dictionnaire. Mais exprimez-vous clairement. Ne comptez pas sur Dumigné pour son serein. Voilà. Ah! Mais non, ne vous inquiétez pas. Même Henri de Gambetta rentre du Brésil où il est résidé depuis 10 ans. Nul n'a vu son visage, ne sait à quoi il ressemble. On a entendu parler de lui que depuis la lecture du testament, alors. Oui, et puis ne vous inquiétez pas, Agathe. C'est moi qui m'y colle. Voilà. Vous? Si notre responsable syndical a accepté de jouer le rôle, c'est forcément pour le bien de l'entreprise. Oui, parce qu'avec une estimation de 100 millions de rapports sexuels par jour, 910 000 aboutissent à une conception, 25% ne sont pas désirés, 50% ne sont pas prévus, et par ailleurs, 356 000 transmettent... Sexuellement transmissibles. 356 000. Mais c'est une moyenne. Les préservatifs sont dans le troisième tiroir, à droite. Merci. Bien, alors mesdames, nous sommes bien d'accord. Dès que mademoiselle Laguiole pourra présenter le modèle précepte du tapis de danse, mademoiselle Dumigné, vous surgissez en annonçant un effondrement des marchés et l'augmentation du coût du plastique. Et, pour sauver King's Toys de la faillite, vous nous proposez une association avec Market Plastique. Juste avant la signature, madame Strophatus, ici présente, impose de façon déguisée Nadine de Gambetta à la tête du conseil d'administration. Ok? Mais finalement, oui. Votre plan aurait très bien pu se faire sans avoir remis... Non, au contraire. Nous avons besoin du charme féminin. Nous avons besoin d'envoûter Henri de Gambetta, n'est-ce pas? Il nous faut un homme facile à manipuler. Alors tâchez d'être une femme facile, hein, avec tout ce qu'il faut. Monsieur Brooke, je me demande comment vous faites pour avoir de si brillantes idées. Madame Strophatus, je n'ai fait que ce que n'importe quel génie fait à ma place. Oui, en même temps, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour connaître la nature de l'homme. La nature de l'homme? Bah oui, vous êtes sorti de la femme. Et tout comme vous, nous sommes tous sortis de la femme. C'est vrai, oui. Seulement vous passez la plupart de votre temps à essayer d'y retourner. J'espère simplement que Monsieur de Gambetta est sensible au charme féminin. Ben oui, alors ça, c'est la seule information que nous avons sur lui. À son âge, il aime tellement le sexe faible qu'il n'est toujours pas marié. Alors, c'est un signe. Enfin, pourquoi dites-vous sexe faible? C'est du million, lapin. T'es dit sexe faible? Oui. Mais c'est vrai, quoi, ça fait 2000 ans qu'on nous prend pour le sexe faible, alors que c'est nous qui ont tourné la boutique. C'est vrai, quoi, il y en a marre de ces termes sexistes qui nous rabaissent. Mais en y réfléchissant bien, un gars, c'est un jeune homme. Une garce, une prostituée. Un courtisan, c'est un proche du roi. Une courtisane, une prostituée. Un rouleur, un cycliste, une roulure, une prostituée, un entraîneur, c'est un coach, une entraîneuse, une prostituée. Mais bon, ça va, mais d'abord, on va passer tout le petit larme, j'ai très bien compris, vous venez de m'excuser sur ces propos misogynes et complètement déplacés de ma part, d'accord? Bon, ça va, vous êtes pardonné. Oui, surtout que ce n'est pas de votre faute, vous êtes une victime d'Abraham. C'est vrai, s'il avait dit tout est en une au lieu de tout est en un, la face du monde s'en serait... Peut-être, je ne sais pas. Bon, hé, attendez, Mademoiselle Dumigné, on vous écoute. Pardon? Votre texte, jouez-nous votre texte. Quoi, maintenant? Mais bien sûr, maintenant, Henri de Gambetta arrive. Ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Écoutez, Mademoiselle Dumigné, je veux être certain que vous serez persuasive lorsque Henri sera là. Alors faites ce qu'on vous dit. Bon, Mademoiselle Laguiole, tenez, vous allez jouer le rôle d'Henri de Gambetta. Mettez-vous au bureau. Voilà. Vous rentrez. Vous faites votre entrée, vous concentrez quand vous êtes prête. Allez-y, vous nous jouez votre scène. Vous allez voir, elle a loupé le conservatoire, mais...
nouvelle. Les marchés s'effondrent et le cours de la cible. Acheter aujourd'hui, ce serait la ruine. Acheter demain, c'est ne pas honorer le contrat. Mais qu'allons-nous faire? Oh, mais j'y pense. Nous avons un contrat avec Market Plastic prêt à être signé. En le signant dès aujourd'hui, vous pouvez sauver l'entreprise. Market Plastic, c'est la solution magique. Market Plastic, c'est le 28 boulevard de la Libération. Mais nous l'avons d'abord les contrats. Avec le modèle précepte, et dès que je vous appelle, vous surgissez. Allez. Ok, allez, vite, vite.
mettions nos pommelos. Non, 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 nos pommelos c'était avant l'opération. Maintenant, il y a le double pack. Ah, je vois, un homme travesti en vous deux. Ah, et on voit qu'il y avait un petit commode. Comment tu t'appelles, quel André? Vous croyez qu'on vous avait averti? Je suis Philippe Brook, le directeur de cette entreprise, et votre émissaire auprès du conseil d'administration. Enfin, tout était. Parce que maintenant, on y vivrait tout le monde. Mais enfin, monsieur, dame, vous ne parlez pas sérieusement. Ah, bien sûr que non, mais bien sûr que non. Je ne suis pas monsieur de l'entrée d'Acretino. Est-ce que y a l'air tout le monde? Ah, vous n'êtes pas... Mais bien sûr que non. Mais qui êtes-vous alors? Je suis la fiancée de ton boss. La fiancée de monsieur de Gambetta? Si. Et le bambino, il met dans la peau. Bien sûr, sa pampinette. Gratte-t-il à l'manche. L'manche, enchantée. Et moi, il est toujours vidéo. Oh, et moi, il est toujours voulu faire partie du gratin de la couche que ça vous. Gratiner, oui. Ça pourrait être gratiner, elle est gratinée, celle-là. Oh, toi, je peux le dire, parce que toi, c'est moins sympathique. Mais, j'espère qu'il va me demander un mariage. Ok, plus que ça. La semaine prochaine. Quoi? Enfin, bah, attendez, attendez, ça fait longtemps que vous connaissez. Toujours. Ah, vous êtes rencontrés dans l'avion? Si, si, dans l'avion, exactement. Bien, tout de suite, vous, que y a eu plaisir. Il m'a demandé de le suivre dans la classe supérieure. Il m'a dit... Graziella, moi, toi, je te veux à côté de moi. Si, je lui ai dit qu'il était pas aussi facile. Bon, ça se voit au premier coup d'œil. Moi, je préfère le champagne et la Coca-Cola. Ce ne sont pas les mêmes bulles. Mais c'était pour lui. C'est tout à votre honneur, bien sûr. Et dites-moi, où se trouve monsieur de Gambetta actuellement? Au yacht. Ah, sur son bateau. Non, au yacht. Tu ne comprends pas les Français? Non, non. Comment ça existe? C'est à toilette. Ah, monsieur, en fait, c'est ton toilette. Si, tu sais quoi? Il y avait marqué gentleman sur la porte. Gentleman, oui. Mais il m'a dit que maintenant qu'il a de l'argent, il pouvait quand même rentrer. Que voulez-vous, quand on a de l'argent, on peut tout croire et même tout espérer. Si, si. Justement, de l'argent, il en a beaucoup, mon bambino. Pardon? Non, je vous pose la question comme ça, je ne suis pas une femme spécialement intéressée. N'a-t-il besoin de le préciser? Je suis sûre que c'est l'amour qui dicte vos sentiments. Si, l'amour, l'amour, si. Et quand on aime, tout est gratuit, n'est-ce pas? Si. Mais que quand même, il ne faut pas dévaloriser les produits. Sinon, ça marque des piquantes, de tabasco, et les produits, ça devient sans intérêt de la gnognotte. Si. Ne fais pas de mauvais sens pour vous, mademoiselle. Je reste persuadé que vous êtes hors de prix. Ah, toi, monsieur Brook? Non, Brook. Toi, tu sais parler aux femmes et ça me fait bien ça, tu sais? Disons que certaines savent lire entre les lignes. Toi, ah, Radiel, ma chérie, je crois que je ne te demandais pas ta. Oh, vraiment! Oh, yes, Emma, j'étais impatiente de voir ton nouveau bourreau. Et permettez au nouveau bourreau de se présenter à vous. Je suis Philippe Brook, monsieur. Je suis votre émissaire auprès du conseil d'administration et du directeur de cette entreprise. Excusez-moi, pardon. J'ai la main présente aux deux, ça. Oh, monsieur Brook, heureux de faire votre connaissance. Eh, moi donc, monsieur, vous savoir si entier, hein, parce que. Pardon. Enfin, je veux dire entier. 12 heures d'avion. Ah, oui, nous sommes arrivés hier soir très tard, mais. Mademoiselle Le Manche a su rendre le voyage beaucoup plus plaisant. Il est certain qu'en avion, il est important de savoir tenir le manche, n'est-ce pas? C'est en tout cas un moyen de locomotion propice à la communication. C'est fou le nombre de points communs qu'on a pu se trouver en si peu de temps. D'ailleurs, rien que d'y penser, c'est incroyable. Oh si, mon Tarzan, mon Matador, oh mon Superman qui m'a fait voyager dans les nuages. C'est bien normal dans ton état, ma chérie. Dans votre état? Si, ma personne va mieux. Regarde, lui, il m'a sauté là, il m'a dit bien, si. Si, mademoiselle Le Manche est tombée dans l'avion. Une chance pour elle que je me trouvais là, elle est tombée dans mes bras. Dans vos bras, une chance en effet, alors. Oui, je ne pouvais décemment pas la laisser se faire soigner en classe économique. Non, non, ma vie était tout en fait. Et il n'avait
C'est vrai qu'on est toujours mieux soigné en première. Oui. Souhaitez-vous que nous fassions venir un docteur, mademoiselle? Maintenant, ça va mieux, ça n'est plus la peine. Et puis, Enrique et moi avons des courses à faire. Ma chérie, je te prierai de ne plus m'appeler Enrique, je trouve ces diminutifs complètement ridicules. N'est-ce pas, monsieur Brooke? C'est toujours mieux qu'Enrico. Enfin, monsieur, souhaitez-vous que nous fassions sortir la voiture? Oui, oui, j'ai promis à mademoiselle Le Mange d'aller chez Cartier sitôt notre arrivée à Paris. Oh, si maman m'envoyait ça. On touche Cartier, c'est... Hélas, monsieur, alors je suis dans l'obligation de vous dire que vos fonds sont bloqués durant 3 jours. Le temps de la passation et de la mise en place du nouveau conseil d'administration. Je crains fort que la seule chose que vous puissiez faire aujourd'hui est un tour du quartier. 3 jours! Et monsieur, c'est le temps légal pour la mise en place et la passation. Mais qu'est-ce que c'est que ce pays si vous devez attendre 3 jours pour la magotille? Chez nous, à Brésil, hein, ça ne se passerait pas comme ça. Moi, je te préviens, je vais te mettre la révolution. Attendez comme cartette, on va pas se laisser marcher sur les pieds. Monsieur, peut-être mademoiselle a-t-elle des dispositions que je n'ai pas. Bref, si vous voulez, monsieur, j'ai une cassette personnelle. Je peux mettre à votre disposition qui soulagera quelque peu les attentes de mademoiselle. Non, monsieur, vous merci, je ne voudrais pas... Merci. Puisque le directeur, il te le propose gentiment. Il est gentil, celui-là, il faudra les garder bien fort. Je dois quand même vous avertir, mademoiselle, qu'il n'y a tout de même pas de quoi acheter une rivière de diamants. Ah non? Tout juste un petit ruisseau. En ce cas, ma chérie, tu pourras encore patienter 3 jours. Mais André, ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il faut encore se laisser entre nous? Mais André, chérie, tu sais bien que ce n'est pas possible, on est mercredi. Dans 3 jours, c'est déjà midi. C'est trop long. Je ne peux pas attendre. C'est trop long, tout le sais bien. Ma chérie, dorénavant, je veux le meilleur, aussi bien pour toi que pour les os. Dans 3 jours, nous irons chez Cartier. Je t'achèterai, ma chérie, la bague panthère dont tu rêvais. Mais tout est fou. Oh, si on m'attendait. Mais c'est bien le modèle que tu as trouvé par hasard dans le magazine à Brasilia et que tu m'as montré hier. Si. Il est découpé la page. Moi, je pensais, tu sais, je pensais que c'était ton rêve. Mais, monsieur Brooke, je pense, vous voulez pas ça comme ça, monsieur. C'est-à-dire que c'est un magnifique bijou fascinant. Si. Oui. C'est ce qui sait, a une personnalité aussi indomptable et aussi dévastatrice que ma trazelle. Qu'en pensez-vous, monsieur? Je pense que monsieur, c'est dire avec panache comment réveiller la panthère qui sommeille en chaque femme et. Mais ce qui parlait bien, celui-ci. Tu sais que si je n'étais pas folle et amoureuse de Henri, il croit qu'il y a des cousines. Oh! Ne vous donnez pas cette peine, mademoiselle, je suis déjà mariée. Moi, non, plaisanterais. Moi, non, hélas, c'est depuis 20 ans. C'est donc un mariage consommé. C'est même un mariage consumé. Mais enfin bon, je ne voudrais pas vous embêter avec ces histoires, je suis sûr que vous n'avez qu'une hâte, celle d'aller vous reposer. Si. Oula. Non, nous avons eu tout le plaisir de nous reposer hier. Non, je souhaiterais commencer dès aujourd'hui. Commencer? Oui, je souhaite rencontrer nos principaux partenaires et nos responsables de secteur. J'aimerais, si possible, un point précis de la situation avant mon départ. Ah, vous repartez, monsieur? Oui, quelques affaires à régler à Londres. Oh, ma quelle petite tachotière! Vous ne m'avez pas dit qu'on devait aller à Londres? C'est-à-dire, ma chérie, que... Oh, ma quelle romantica! Oh, amour! Et nous voilà déjà dans une carrosse qui passe devant les palais de la Queen. Chérie, inutile.
difficile de te monter sur tes grands choix, d'écouter en ce qu'on est depuis plus de 20 ans. Si, il était dans les mêmes plus belles années. On s'est rencontrés hier soir dans l'avion. Et justement, monsieur, moi ça fait 20 ans que j'ai perdu mon temps à t'attendre. Je vais aller vous chercher notre responsable d'atelier. Mais n'importe quoi. Pardon. Je peux? Mais oui! C'est là! Tu ne peux pas dire une chose pareille, ça c'est bon quand il y a du monde. Il y a 20 ans, tu ne savais même pas que tu allais me rencontrer. Si! Il est un plus pauvre de moi. Mais ça, vous ne pouvez pas les comprendre. Vous sautez sur tout ce qui bouge. Mais nous, les princes charmants, on l'a dans le cœur. Alors avec nos gringos qui nous parlent d'amour, on fait semblant de rire. T'es frissonné, on fait semblant que c'est la première fois. Mais au fond de nous, on attend de trouver celui qui allumera la petite étincelle. Alors, ça prend 10 ans, ça prend 20 ans. L'important, c'est de les trouver. Et quand on l'a trouvé, crois-moi, hombre, on le sait. Mais toi, regarde-toi, c'est comme tous les autres. Si j'étais en train de me noyer à côté d'une bombe de 20 ans, je suis sûre. Je suis sûre que tu préférerais aller la sauver. Mais ma chérie, je ne doute pas que tu saches parfaitement nager. Tu es une moufle et il y a besoin d'une remontante. Marfou, vous tombez à point. Auriez-vous la gentillesse de réanimer la noyée à la cafétéria, je vous prie? Mais certainement, monsieur. Vous avez la gueule, notre responsable d'atelier, mais aussi chef syndical, ne tardera pas. Puis-je vous proposer un café, mademoiselle? Un café gringo? Vous plaisantez? Vous m'avez pris pour une colombienne de Bogota. Je suis brésilien, seigneur de São Paulo, et vous avez intérêt à m'offrir un Rio Grande. Un Rio Grande? Si, qui est un cocktail explosivo. 2 centilitres de brandy, 2 centilitres de martini rouge, 4 centilitres de cognac et un trait de bénédictine. Ça m'a l'air d'être explosif, hein? Si. C'est parce qu'on rajoute un trait de sirop de Bruxelles. Si. Ça permet d'avaler les petits morceaux de cactus qui restent en travers de la gorge. Allez, viens, comment tu t'appelles déjà, toi? Philippe. Allez, viens, Philippe, on va se sourire la gorge. Allez, Anda, Anda. D'admirer le paysage avec les autres. Tout de même,
Savez-vous d'où je viens, Mario? Brésil, de Rio. Plus exactement, d'une ville près de Tefé, sur les bords du Rio Jutaï. Il y a 2 ans, j'ai décidé de relever un défi. J'y ai implanté une usine de textile. Aujourd'hui, 300 employés travaillent pour moi, mais connaissez-vous la particularité de ces employés? Ah non? Eh bien, ce sont toutes des femmes. Des femmes, mais avant tout des mères, qui ont besoin que l'on s'occupe de leurs enfants. Alors, avant de partir, je leur ai fait la promesse de créer une crèche au sein de l'entreprise. Une crèche? Oui. Une femme qui sait ses enfants en sécurité se consacre davantage à son travail. Nous y sommes tous gagnants. Au sein de notre syndicat, nous avons toujours préconisé l'action sociale. Mais là, il va falloir attendre de nombreux mois avant de mener à bien cette opération. Ah bon, et pourquoi? Les capitaux sont bloqués durant 3 jours. Dans 2 semaines, là-bas, c'est la saison des pluies. Aucune construction possible. Avouez que c'est rageant, échouer si près du but. Et combien vous faut-il? Pardon? Pour la crèche, combien vous faut-il? 60 000 euros. Ah, tout de même. 3 fois rien. Surtout 3 fois 20 000. Non, je suis sûr que c'est 6 mois du salaire de vous. Ah non, comptez 10. Ça va, n'en parlons plus. Écoutez, monsieur, au sein de notre syndicat, nous avons des fonds. Alors je pourrais provoquer une réunion extraordinaire et nous pourrions vous avancer cette somme. Alors Marion, vous savez que tout ceci est illégal. Puis, je ne voudrais pas vous mettre dans l'embarras. Mais de toute façon, je pars demain pour Londres. Alors. Demain? Oui. Quelques affaires à régler. Tant pis. Ces pauvres enfants continueront à respirer des produits chimiques et toxiques. Vous savez, ils le font déjà depuis 2 ans, ou peut-être 3. Un peu plus, un peu moins. Non, c'est insupportable. Je vais vous préparer le chèque. Non, n'insistez pas, Marion. Ah, mais si, j'insiste. Monsieur. Appelez-moi Henri. Comment allez-vous justifier cette avance auprès de vos camarades? Ils n'en seront rien. Et puis nous, ne vous donnons pas cette somme. Nous l'avançons. À charge de revanche. C'est-à-dire? Nous avançons cette somme à condition que Kids Toys bénéficie de la même offre. C'est-à-dire une crèche dans toutes ces entreprises de plus de 300 salariés. Ah, vous ne perdez pas le nord, vous? Je suis née avec une boussole dans la tête. Moi, à titre d'information, combien avons-nous d'entreprises de plus de 300 salariés? Nous reparlerons de tout ceci à votre retour. Je vais vous préparer le chèque. Vous n'avez peur de rien, vous? J'ai la meilleure garantie qui soit. Un patron et... En plus, un patron qui donne dans le social. Allô, la banque du Randall? Oui, bonjour, Henri de Gambetta à l'appareil. Pourrais-je parler au directeur, je vous prie? Oui, je passe en. Merci, mademoiselle. Monsieur Vermont, Henri de... Ah, je vois que vous avez reçu mon fax hier soir. Oui, ce sera donc possible. Je ne sais pas, l'horloge vient de tomber, mais d'ici 1 heure, ça devrait être bon. Je ne sais pas, à peu près 100 000 euros en chèque à mon ordre. Oui, je sais que c'est inhabituel et que c'est une faveur, monsieur le directeur, mais n'oubliez pas que je suis devenu quand même votre meilleur client. Oui, mais enfin, bon, les capitaux sont bloqués durant 3 jours et j'ai besoin de liquidités. Et puis, remarquez au passage que je ne touche pas dans mon capital puisque ce sont des chèques que j'encaisse. Allons, monsieur Vermont, vous pouvez tout de même vous porter caution de 100 000 euros
quand plusieurs de mes millions dorment dans votre corps. Oui, merci, monsieur Vermont. Je saurai me souvenir de votre geste. Monsieur de Gambetta, monsieur de Gambetta, monsieur de Gambetta, monsieur de Gambetta. Oui. Monsieur de Gambetta, monsieur de Gambetta, monsieur de Gambetta. Mademoiselle. Agathe Dumillet. Et que puis-je faire pour vous, mademoiselle Dumillet? Je reçois à l'instant une bien mauvaise nouvelle. Les marchés s'effondrent et le cours du plastique augmente. Nous n'avons pas vu les circonstances prévues de stock suffisant. Acheter aujourd'hui, ce serait la ruine. Mais qu'allons-nous faire? Il me semble que vous prenez un peu trop la chose à cœur, mademoiselle. Cessez donc de m'interrompre tout le temps ou je n'y arriverai pas. Je vous écoute. Où en étais-je? Qu'allons-nous faire? Approximativement 16 237 euros et 64 centimes.
Ah oui, approximativement. Écoutez, vous allez me mettre tout ceci dans une enveloppe et vous la portez. 100 les centimes, merci. C'est pour un détournement? Non. Ah non, pas du tout. Ah non. Vous savez que je dois engager ma signature pour le transfert. Allons, mademoiselle Dumillier. Agathe. Vous êtes intelligente puisque surdouée. Je ne doute pas que vous préféreriez recevoir une quinzaine de roses plutôt qu'une lettre de licenciement. Je comprends, oui. Ne tardez pas trop pour les roses. Ah bah pourquoi? Parce qu'il faut 12 heures à une rose pour qu'elle exprime tous les arômes de son parfum. Ça, ce n'est pas des statistiques. Bien, mettez votre adresse sur l'enveloppe. Et n'oubliez pas Madame Stroh. Francis, je m'en occupe. Arriva, 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 viens voir. De la réconciliation. Merci, ma chérie. Alors, Agathe, tout s'est bien passé? Oui, tout a fonctionné. Parfait, ça va être à moi. Il n'y avait pas une horloge avant? Chérie. Quoi? Que me dites-vous, mademoiselle Dumillier? Les cours du marché s'effondrent, le volume plastique augmente et nous n'avons pas prévu de stock suffisant. Mon Dieu, pourvu que Marquette Plastique accepte de signer avec Xpose le contrat qui se trouve dans le troisième tiroir de mon bureau à gauche. C'est pas non plus avec ça qu'on va décrocher à Molière. Agathe vient de me dresser un bilan plutôt alarmant de la situation. Et si j'ai bien tout compris, il est bon que je signe avec Marquet Plastique, c'est bien ça? Oui. Tiens, dans ce cas, c'est bien ce que vous nous conseillez. Moi, c'est ce que je vous conseille, monsieur. Ouais. Dans ce cas, allez chercher les contrats. J'y cours, monsieur. Et je préviens madame... Non, ne vous donnez pas cette peine, j'ai demandé à Agathe de s'en charger. Alors ça va. Arrive. Qu'est-ce qui se passe avec les commerces? Non, ma chérie, rien qui ne puisse avoir de solution. Ah, tout est sourd. Ne t'inquiète pas, ma chérie, j'ai toujours les cartes en main. Oh, tu es à moi, tu n'as même pas pour ton cocktail. Non, merci, je n'ai pas soif. Ah, dans ce cas, je vais les finir. Est-ce que les nous déconseillent quand c'est chaud? C'est imbouvable. Mais... Tu devrais lever le pied. Ah, il ne va pas. Si je lève le pied maintenant, il me casse la gueule. Monsieur. Merci. Merci du fond du cœur. Vous reconnaissez mademoiselle Lange? Oui. Nous sommes aperçus. Mais quoi? Pardon? Vous dites vous êtes aperçu? Mais de quoi? Ah non, mais c'est une expression. Ça veut dire qu'on s'est vu, entrevu rapidement. Ah, qu'est-ce que vous avez? Un nez de l'œil. Ah, si, de celui-là, si. Si tu clignes de l'œil, c'est que tu as trop bu, ma chérie. Évidemment, ça n'est pas pour tourner à moi, ma détective. Voici les contrats, monsieur. Merci beaucoup. Dites-moi, vous m'avez conseillé d'acheter du plastique, mais vous ne m'avez pas expliqué pourquoi. Pourquoi quoi? Bon, j'ai bien peur que si j'en rajoute un, nous ne soyons pas avancés, plus autant, monsieur. Que voulez-vous savoir exactement? Pourquoi ai-je tout à intérêt à acheter du plastique maintenant? Comment mademoiselle Lyon ne vous a pas montré le modèle précepte de notre jouet phare, le tapis de danse? Mais non, mademoiselle Lagueule, elle n'a pas encore eu le temps. Allez-y. Mais je vais le chercher. Ah oui? Il est juste à côté. Vous allez voir, il s'agit d'un tapis de danse électronique. Ah, un tapis! Lors des tests, les adolescents l'ont plébiscité. Même les adultes vont s'y mettre, vous allez voir. Oh, bien! Comment ça, tant dans la famille, elle a beaucoup de tapis d'essai? Si tu viens, je vous prie de bien vouloir l'excuser, elle n'est pas dans son état normal. Je pense qu'elle a un peu trop bu. Monsieur, j'avais déjà remarqué avant qu'elle ne boive. Alors, voici le prototype. Alors, nous ne lui avons pas encore donné de nom, mais contrairement aux autres tapis musicaux, celui-ci crée un véritable ballet à partir de n'importe quelle chanson. Expliquez-moi cela. Si, nous comprenons, non. Une démonstration sera plus pas. Il vous suffit de mettre le CD de votre choix dans cette boîte
des zones industrielles, une soirée d'hiver après l'enterrement et après une meeting de Robert Hood. Mademoiselle. Il n'y a pas d'infamilité. C'est le moment de savoir si ta cafette a fonctionné. Et là, je vais avec vous. Vous êtes, je vais me souvenir d'un peu de l'aspirine. Non. Alors, quand on se lance pas, arrive à l'oreillette. Ah oui, l'oreillette, il faut écouter les instructions, comme ça on dansera tout de la même façon. Ah si, comment ça? Si, tout le monde est prêt? Oui. Tout le monde est prêt? Et une, et deux, une, deux, trois, si. Sorti une nouvelle
personnalité sociale. Ce n'est plus en phase avec les liens, mais ça m'étonne de vous. Mais vous avez raison. Ah, si. Mais oui. Si. L'an dernier, l'an prochain, on sort Barbie simule avec Ken. Oh, oui. Non. Mieux, Barbie se tape Action Man. Oh, si. Bon,
regret. Sans regret. Elle est vraiment phénoménale. La, 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 la. Elle méritait d'être dans le champagne. Maman, vous venez de signer l'affaire du siècle, et vous, au lieu de aller chercher du champagne et de voir fêter l'événement. Champagne. Mais oui, champagne, je suis. Vous êtes fort en affaires. Pas autant que vous, et vous le savez très bien. Pardon ? Allons, ça va. Même avec 5%, vous sortiez gagnante. Au cours des marchés. Allons, ça va. Ne me prenez pas pour un idiot. Le marché du plastique est stable. Il n'y a pas plus de hausse que d'anse d'indigence dans votre plan minable. Mais de quoi parlez-vous ? Eh bien, de votre petite embrouille d'amateur que vous avez co-signée avec Brooke. Ma belle-mère et Dieu sait qui encore. Vous étiez au courant? Oui. Vous étiez au courant et vous avez permis à Monsieur Brooke de signer le contrat? Ben oui. Mais pourquoi? Parce que je n'en ai rien à faire de votre contrat. L'avenir de King Toys Industries ne m'intéresse absolument pas. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est le petit chèque que vous allez me faire pour décrocher ce marché. Eh ben, je vais vous présenter. Non, en affaire jamais, ou du moins je préviens. Alors, ça va. Je continue à jouer les idiots, il n'en saura rien et vous sortez gagnante. Puisque vous êtes au courant de tout, vous devez savoir que Marquette Plastique est déficitaire. Et qu'il me sera difficile d'aligner des zéros. 40, ça ira? 40 millions? 40 000 euros. Vous êtes à la tête d'un empire qui pèse 50 millions d'euros et vous me demandez de vous faire un chèque de 40 000? Vous avez oublié les cacahuètes ou quoi? Et j'ai besoin aussi de votre parure. Mais c'est du faux! Tant mieux, c'est pas pour moi. Et qu'est-ce qui me dit que vous ne continuerez pas à me soutirer de l'argent? Vous avez ma parole. Permettez-moi d'émettre des doutes sur la parole d'un homme qui me démunit d'un chèque de 40 000 et me soulage d'une parure faite et fausse. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas un voleur. Un peu quand même. Juste un peu. Vous me faites penser à mon défunt mari. Tenez, tâchez de ne pas finir comme lui. Et de quoi est-il mort? L'alcool. Cirrhose? Non, il a joué à la roulette russe, il avait trop bu et chargé son arme d'une seule munition. C'est le principe même de la roulette russe, une seule munition et... Oui, mais pas avec une carabine. Il est vrai que ça laisse très peu de chance de survie. Et voilà, à signature exceptionnelle, cuvée exceptionnelle. Désolée de me traiter avec vous, mais il va falloir que j'aille à un rendez-vous important. Comment, madame Stroventus, pas même une petite coupette? Non, la coupe est pleine, merci Philippe, monsieur de Tempétale. Madame Stroventus. Ah, vous voyez que vous y arrivez? Avec un peu de bonne volonté. Il est certain que vous n'en manquez pas. Je vous raccompagne, ma chère Sarah. Ce ne sera pas la peine, je connais la sortie. Messieurs! Enfin, j'ai loupé un épisode. Elle semblait vraiment contrariée. Mais pour le moins, elle vient de perdre 12% de ses actions en 10 minutes, alors. Oh, c'est pas grave, les marchés ne tarderont pas à se rééquilibrer. Je ne fais pas de mauvais sang pour elle, même avec 8%. Dites-moi, Brooke, j'ai rendez-vous avec la banque du Randall. Oui, c'est la banque qui se trouve juste à côté. Souhaitez-vous que nous fassions sortir la voiture, monsieur? Non, ne vous donnez pas cette peine, je vais y aller à pied, je n'en ai pas pour long. Par contre, à mon retour, j'aimerais que vous vous soyez débarrassé de Graziella. Ah non. Alors, monsieur, ne me demandez pas une chose pareille, c'est une furie, une harpie. Ah non, je connais votre diplomatie, mais je ne doute pas que vous serez un émissaire à la hauteur, Brooke. Monsieur, vous faites de moi un Brooke émissaire, là. Tenez, ceci vous aidera dans votre mission. C'est du vrai? L'important est qu'elle le croit. Je vous prie de m'excuser, monsieur. Monsieur Brooke, il faut que je vous parle de toutes les chances. Enfin, que se passe-t-il? Attendez, ne parlez plus. Mais je vous laisse, je file à la banque. Madame. Monsieur. Enfin, Nadine, que signifie ça, tabrouillot? Alors, je n'ai pas Henri. Vous en êtes certaine? Bah, écoutez, mademoiselle, je ne suis pas encore sénile. Je n'ai pas revu Henri depuis 10 ans, mais tout de même. Henri a des yeux bleus, et puis à l'époque, il mesurait déjà 1m90. Attendez, Nadine, vous n'êtes pas en train d'essayer de me dire... Cet homme n'est pas mon beau-fils. Vous étiez au courant, vous? J'avais des doutes. Mais il me fallait cette confrontation, madame de Gambetta est la seule ici à connaître le vrai visage d'Henri. Alors je lui ai demandé de passer après que c'est... Après que quoi? Après que...
Avec le bon, enfin, parlez, Agathe. Après que cet individu m'ait demandé de lui remettre la caisse. Il avait remis la caisse. Des liquidités, un peu plus de 12 000 euros. Mais vous êtes complètement folle, Agathe. Ah non, monsieur, non, je suis sûre de vous. Oh. Primo, parce que personne, hormis moi, dans cette entreprise, n'a cherché à en savoir plus sur Henri de Gambetta. J'ai envoyé des mails dans toutes les administrations du Brésil. Il y a environ une heure, j'ai reçu une réponse de l'hôpital Saint-Louis à Sao Paulo. Henri est blessé? Oui. Il est dans le coma depuis 2 semaines. Mon Dieu. Un accident de voiture. Mon Dieu. Brûlé au 3e degré. Mon Dieu. Dévisagé. Oh mon Dieu. Méconnaissable. Oh mon Dieu. Il y a 3 jours, peu de temps après la vie de recherche lancée pour retrouver Henri, ses papiers ont disparu et on l'a changé de chambre. Et c'est mon message qui leur a permis de faire le rapprochement. Mais attendez, mais qui aurait intérêt à faire une chose pareille? En tout cas, quelqu'un de proche. En attendant d'élucider cette énigme, je reprends le contrôle de l'entreprise. Oui. Accompagnez-moi en salle de visioconférence, il faut que vous entriez en contact avec l'hôpital Sao Paulo. Ah, bien évidemment, je vous demande la plus grande discrétion sur cette affaire. Hein. Il ne faudrait pas que la presse et les paparazzi s'en emparent. Non, il manquait plus que ça. Vous venez avec nous, Agathe. Non, je préfère attendre ici le dénouement du secundo. Du quoi? Je vous ai dit primo, oui. Ce qui implique un secundo. Il va revenir. Ah, alors maintenant qu'il a obtenu ce qu'il voulait, vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au bout. Non, je vous dis qu'il va revenir. Bon, écoutez, Philippe, laissez là, s'il veut attendre ici, hein. Ne perdons plus de temps. D'accord, David. Écoutez, s'il revient, surtout pas d'initiative. Hein, vous prévenez la sécurité. D'accord? David, attendez. Entreprise à l'appareil. Oui, un petit renseignement, je vous prie. Monsieur de Gambetta est-il toujours dans vos murs? Oui. Oui, je patiente. Oui? Pas encore. Non, ce ne sera pas la peine. Merci. Vous voulez dire que vous vous êtes débrouillé pour encaisser ces chèques aujourd'hui? Oui, je
savez que je n'aurai pas plus de 48 heures avant d'être démasqué. Sacré coup que vous avez tenté là. Que ne ferait-on pas pour les siens? Oui, la cause est jolie, mais les moyens sont malhonnêtes. Mais je sais, Agathe, je sais. Bon, allez, filez. Quoi? Oh, ne recommencez pas, vous m'avez très bien comprise. Filez. Il ne vous reste que très peu de temps. Oh, Agathe, oh, Agathe, vous êtes merveilleuse. Ah, et pour... Ah oui. Faites le 271 à droite et le 272 à gauche. Merci. Oh, monsieur le feu, ou qui que vous soyez, je vous ai mis mon adresse sur l'enveloppe. Ah, je n'aime pas les roses jaunes. J'en prends bonne note. Vous ferez livrer un bouquet. Tu parles. Non. Je vous le promets. Il y aura autant de roses que ce que vous avez damné. Tâchez de ne pas être désobligeant. Et de toute façon, si elles ont plus de douceur. Merci, merci. Il y en a sur le casier. Si. Oh, vous exagérez, Gracilla. Non, Marie, non. Chez vous, la police, c'est Disneyland. Chez nous, quand ils trouvent une moto comme une grosse balle dans la tête et quatre dans les corps, ils peuvent conclure à un suicide. Si. Oh. Agathe, vous êtes seule. Comme vous voyez. Et monsieur de Gambetta? Les probabilités pour que nous puissions revoir monsieur de Gambetta avoisinent à présent les zéros. Moi, je suis sûre que cette maladie qu'elle a attrapée, celle-là, c'est ma fille. Que se passe-t-il, Agathe? L'arroseur a rosé. Nous avons été trompés, Marion. Trompés? Oui. Et savez-vous qu'il y avait une chance sur 17 532 pour que ça arrive? Bon, arrêtez avec vos statistiques. De quoi parlez-vous? Je vous parle du plus touchant des escrocs, Henri de Gambetta, qui n'est autre qu'un certain Christophe Lefeuille, P-H-E-U-X. Vous divaguez là? Non, Marion. Notre véritable patron est dans le coma, à 8891 km d'ici. Ouais. Oh, à vol d'oiseau, bien sûr. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai, mais où est-il? Mais comme tous les escrocs, il s'est fait la malle. Ou devrais-je dire la mallette? Oui. Oh! Mais 60 000 euros! J'espère que ce n'était pas des fonds personnels, sinon vous pouvez faire une croix dessus. Mais non, j'ai tapé dans la caisse du syndicat! Quoi, 60 000 euros? Mais c'était pour financer une crèche! Mon cher Noël brésilien? Mais non, une crèche! J'ai compris. Oh mon Dieu, quelle catastrophe! Ça vous pouvez le dire! Ah, oh, je vais me faire rager du parti! Tiens, mon père va me déshériter. Un trou de 60 000 euros, quelle honte! Quel scandale! Oh. Mais ça, il fallait y penser avant. Mais qu'est-ce que je vais faire, moi? Eh bien, écoutez, vous augmenterez le prix des beignets à la fête de l'humain, et puis c'est tout. Même à 2,07 euros un peu beignet, il faut quand même en vendre 24 000. Oui, ça fait plus de beignets que de partisans. Hein. En tout cas, si ça peut vous consoler, vous n'êtes pas la seule à vous être fait avoir par cet escroc. Sarah Ouvadus, que je viens d'avoir au téléphone, a affirmé qu'elle s'était fait escroquer de 40 000 euros par cet usurpateur. Enfin, je reste persuadé que mademoiselle Le Mans, ici présente, va nous en dire un petit peu plus sur cette affaire. Mais je ne comprends pas, moi, et est-ce que ma maman est tombée nous? Oh, s'il vous plaît, mademoiselle, s'il vous plaît, arrêtez de jouer les imbéciles. Nous avons tout intérêt à éviter un scandale et ne m'obligez pas à avertir la police. Nous étions en visioconférence avec l'hôpital Saint-Louis de Saint-Polo. Où vous travaillez. Vous êtes bien infirmière dans cet hôpital, n'est-ce pas? Si. Et c'est bien vous qui vous êtes occupé de soigner Henri de Gambetta? Si. Radzilla! Dites-moi que c'est pas vrai. Et je suis désolée, merci. Comment vous travaillez dans le même hôpital que le feu? Que qui? Que le feu, c'est le nom de l'usurpateur, Christophe le feu. Mais comment pouvez-vous savoir s'il s'appelle Christophe le feu, vous? Il me l'a dit. Il est revenu? Oui. Et vous l'avez laissé filer? Ben oui. Avec les 100 000 euros? 112 000 exactement. Retenez-moi, sinon je vais en faire de la terrible duchesse. Attendez, Agathe, pourquoi ne pas avoir averti la sécurité comme je l'avais demandé? Parce qu'il avait besoin de cet argent pour soigner sa sœur. Sa sœur? Oui, Christina. Mais que c'est tout n'importe quoi, Christophe n'a jamais
qui conduisait le soir de l'accident. El señor de Gambetta, qu'est-ce que l'avoir mis son pécule le soir de l'accident? Christophe est un grand spitoyer, laissez! C'est moi qui étais de garde ce soir-là! Bien sûr. Et vous allez peut-être aussi me dire qu'il ne travaille pas comme infirmier à l'hôpital Saint-Louis. Infirmier! Infirmier, mais c'est n'importe quoi! Il ne supporte pas la vue du sang! Christophe est informaticienne! Non, non, ce n'est pas possible. Enfin, on n'invente pas ce genre d'histoire. Avec moi, il vous attendra tout. Quand nous avons reçu l'avis de recherche à l'hôpital, il en est tout de suite parlé à Christophe. C'est un esprit tordu, Marcos, c'est un génie. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'il me demande de voler les papiers d'Henri. Après tout, il était dans le coma. La suite, vous la connaissez déjà. Henri Philippe avait décidé de prendre Christophe la place de Henri et un max de pognon en 48 heures. C'est... Oh, quel con, mais quel con! Vous qui vous vantiez d'être une surdouée, vous baissez, Agathe! Il m'a eu par les sentiments! Mais il vous a tout tué par les sentiments! Vous! Il lui donnait la caisse! Vous! Il tapait dans la caisse et qu'il lui donnait! Ça reste trop potus qui s'est fait avoir comme une grosse caisse! Bravo, la fille! Bravo! En tout cas, vous! Radia! Je ne vous pardonnerai jamais! Mais calme-toi, Nina! Nous sommes tous dans le même panier! Moi aussi, ma tante là! Oh, yes, oui! Yes, c'est comme vous! Yes, oui, là! Yes, oui, là! Eh ben, tant pis pour elle! Hein? Comme ça, elle va savoir ce que ça fait que d'être la Barbie pétasse! Et arrête! Sinon, elle va déterrer la tignasse! Mais vous avez quand même un cadeau de consolation, mademoiselle! Vous pouvez le garder, c'est tout faux! Comment savez-vous? Vous l'avez même pas lu! Mais je connais Christophe! Si c'était ton vrai, il l'aurait gardé! En tout cas, je dois vous féliciter pour votre esprit de jugement. Hein? Pour ce sixième sens dont on parle tant. Et pour cet esprit de discernement dont vous avez fait preuve depuis 1h30. Ah! C'est pas de notre faute. Si son plan est meilleur que le vôtre. Le mien n'était pas voué à l'échec. Et à l'échec, lui, il a su les encaisser. Ah! 112 000 euros. Je gère. Enfin, l'important est que les fonds n'aient pas été touchés. Oh, c'est ce que vous croyez. C'est mal connaître le Christophe. En fait, Philippe, si tu penses, il a pris tous ses risques de la gnognotte. De la gnognotte? Ah, parce que vous croyez qu'on trouve 60 000 euros sous les sabots d'un cheval? Non, non, mais en tout cas, on les trouve dans les caisses du syndicat des honnêtes travailleuses. Hé, hey, les honnêtes travailleuses! J'en vois pas beaucoup par ici! Oh, mais tu m'étonnes! À 60 000 euros, ça fait un peu cher l'honnêteté! Écoutez, mademoiselle, ça va garder votre sang-froid, s'il vous plaît! Vous savez très bien que je suis le seul à avoir un droit de signature administrative et juridique de cette entreprise. Et contrairement à vous qui vous êtes fait charmer par ce le feu, moi j'ai su garder la tête froide. C'est pas un vieux singe, on va pouvoir faire la grimace. Hein. Vous êtes bien sûr de ne rien avoir signé. Certain, il aurait pu m'avoir tout à l'heure, parce que je lui ai proposé ma cassette personnelle, mais vous étiez témoin, il a refusé. La seule chose que j'ai signée, c'est... Qu'est-ce que c'est pas ça? Mon Dieu, le salaud! Si! Le contrat avec Parfait Plastique! Eh bien! Ben, je l'ai signé! Mais c'est normal! Vous êtes le seul à avoir la vestiture! Oui, mais je l'ai signé les yeux fermés! Allô? Allô, Martine, passez-moi à l'époque du rondal! Le salaud! Mais je dis comme ça, les filles, vous voyez pas, évidemment! Allô? Mademoiselle, mais passez-moi le directeur, s'il vous plaît! Hermon, dites-moi qu'il est encore là! Mais qui? Eh ben, Henri de Gambetta! Il est parti il y a 10 minutes! Et que je ne me fasse pas de mauvais sang. Le transfert aux îles Caïmans s'est bien déroulé. Et de quel transfert parlez-vous? Attendez, Vermont, vous parlez bien des 112 000 euros, calmons-nous. Non, du papier que j'ai signé. Mais quel papier que j'ai signé? J'ai rien signé du tout. Oui, bien sûr, c'était ma signature. Je sais que vous l'avez reconnu, mais je n'aurais pas dû signer. Voilà. Ben oui, mais attendez, quand on est banquier, on fait preuve de discernement, Vermont, hein? Ben oui, comment vous pouvez savoir? Comment vous pouvez vous noyer dans un verre d'eau? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Combien j'ai signé? Non, c'est pas possible, Vermont, vous êtes un con! Vermont, vous êtes un con! C'est pas possible, vous n'avez pas donné cette somme, Vermont! Vermont, quoi? En plus! Vermont, vous voulez que je vous dise, vous êtes un con! Quel con! On avait Jacqueline, on avait Jacqueline la salope, et non, on a Vermont le con, voilà! Merci.
bouquet de roses qui vient d'être livré pour vous. Un bouquet de roses rouges. Pardon ? Quoi ? Qui, selon le libraire... Parlez pas si vite, j'entends pas. A été coupé il y a moins de 12 heures. Combien ? Quoi, combien ? Combien y a-t-il de roses ? Mais comment voulez-vous que je sache ? Mais demandez-lui ! Allô, Martine ? Combien y a de roses ? Tu m'as compté ? Oui, je patiente. Qu'est-ce que ça peut vous faire, à vous, combien il y a de roses ? Je vais enfin savoir si je fais plus vieille que mon âge. Eh ben, vous n'avez pas peur de jouer avec le feu, vous m'en bien. Non, mais je préfère quand c'est le feu qui joue avec moi. Mais H, E, U, X. Barbara, votre plus belle histoire d'amour, c'est vous, théâtralement votre. Bonsoir.